C'est bon, on est c'est bon. Allez, vas-y. Allez, donc nous commençons par donner nos meilleurs à Esbel et à toute l'équipe de Néné qui nous a toujours soutenus depuis pendant des années. Nous faisons ce reportage simplement pour attirer l'attention, votre attention sur nos petits-enfants qui n'ont pas de l'eau, une salle où on doit les mettre. Parce qu'en principe, ce bâtiment contient 6 salles. Les 6 salles sont entièrement conçues pour le cycle normal du CI au CM2. Cette année, la classe de jardin n'a pas de salle. On a pensé utile de solliciter toujours votre apport, comme vous nous avez toujours soutenu. On a pensé solliciter votre apport, votre aide pour obtenir au moins une autre salle que nous allons aménager en nous aidant comme d'habitude. Ces enfants, comme il commence à faire froid, ne peuvent pas continuer à être dans cette situation. Voilà pourquoi nous avons pensé, par le biais de trajets, estimé qu'il était nécessaire de vous montrer à visu que si commençons nous, les enfants, dans quelles conditions travaillons-nous avec. J'ai toujours dit que sans ASBL, cette école ne serait pas à ce point. On aurait dû fermer il y a longtemps. Ça, je l'ai toujours répété. C'est pourquoi j'ai toujours dit que votre aide est une aide incommensurable. Mais vous savez, il dépendait de nous. On n'a jamais voulu vous fatiguer dans votre association. Mais que nous avons des maigres moyens, nous sommes dans un milieu très, 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 très défavorisé. Voilà. Au point que chaque fois, on vous fatigue en vous demandant que vous nous aidiez, ainsi de suite. Je demande à Néné, comme d'habitude, j'ai toujours dit que je veux que ASBL, que les gens soient, que tous les membres de ASBL s'entendent et continuent à aider l'Afrique dans ce qu'ils comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes d'une portée indispensable parce que déjà, même ce que vous avez fait ici déjà, ça a développé une éducation dans toute une commune. Voilà. Alors,